Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'ai tendance à vous faire gagner ce que je reçois, un tout nouveau produit que je vais vous offrir dans la prochaine vidéo, puisque vous savez qu'en ce moment, le concours à gagner, ce sont donc les Mini Pro de chez Sunpeed. Je vous les fais gagner samedi, le nom du gagnant, vous le savez. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'est la dernière vidéo qu'il y a sur la chaîne, les Mini Pro des écouteurs Bluetooth 5.2. avec un son magnifique, compatible iOS Android. Aujourd'hui, on va déballer un produit qui m'a été envoyé par la société Canv, C-A-N-V. Je vous mettrai donc tous les liens en description. Et cette société m'a envoyé un super chargeur 3 en 1, pliable, le top du top. Vous allez pouvoir transporter ça dans votre poche et pouvoir charger votre Apple Watch, votre montre qui tournera sous Android bien sûr, votre iPhone 13, votre iPhone 12, votre Galaxy S20, votre Pixel, enfin tout type de portable compatible à la Quick Charge. Puis la charge rapide, la Fast Charge, c'est parti les amis pour le déballage de ce tout nouveau chargeur. Alors on est sur un package premium, vous pouvez voir qu'on a le produit sur le côté droit, ce chargeur 3 en 1 compatible à la Quick Charge 18 watts et 15 watts. Avec à l'arrière toutes les spécifications de ce chargeur 3 en 1. Une boxon ensemble. Ce chargeur, et voyons ce que ce chargeur peut nous apporter au quotidien. Comme vous pouvez voir, le côté rangement est assez premium. On a donc une petite notice sous forme de dépliant. On va donc retrouver le câble qui sera donc de type USB-C vers USB-A. Alors comme vous pouvez voir, on va retrouver un chargeur mural et ce chargeur mural sera donc compatible 18 watts. Donc pour les iPhone 13, les iPhone 12, les iPhone 10 et 15 watts pour tout ce qui est Huawei, Xiaomi, Samsung, etc. Donc compatible charge rapide. Et ensuite, on va retrouver notre chargeur à induction. Complètement pliable et comme vous pouvez vous apercevoir, très design, ultra plat. Et ce chargeur donc aura une longueur d'à peu près 12 cm de long pour une largeur de 6 cm de large et pour une épaisseur de 3,5 cm pliée. Alors l'avantage avec ce chargeur, c'est que vous allez pouvoir charger le téléphone à plat. Et voilà donc, si on déplie ce chargeur, voilà ce que ça donne, une charge à plat ou une charge verticale pour pouvoir continuer à visionner par exemple vos vidéos sur YouTube ou avoir une vue permanente sur votre smartphone. On est donc sur un chargeur portable. La possibilité à l'arrière, comme vous pouvez vous en apercevoir, on va donc pouvoir lever, on aura donc la possibilité d'aller poser une e-watch sur le dessus du chargeur. On aura donc la possibilité d'aller donc poser tout simplement des AirPods ou d'autres boîtiers compatibles avec la charge à induction. Voilà ce que ça donne au niveau du chargeur lorsqu'il est monté. Ultra rapide à repositionner. On a simplement abaissé le petit clapet qui se trouve sur le haut du chargeur. Et notre chargeur est prêt à être emporté. Dessous ce chargeur 3 en 1, on aura donc 4 patins qui vont permettre de stabiliser le chargeur pour que celui-ci tienne parfaitement bien sur une surface telle que bureau, tablette, etc. Alors pour monter ce chargeur 3 en 1, c'est très rapide, très efficace, ça prend 2 secondes et vous avez donc 3 positions pour charger 3 appareils en même temps. C'est vraiment un chargeur que je peux vous conseiller si vous cherchez quelque chose de portable, de pliable et qui chargera vos appareils très rapidement. On va tout de suite passer au test de ce chargeur avec différents smartphones tels que iPhone, tels que Galaxy S20. C'est parti pour le test. Alors, question connectique, ça va se trouver à l'arrière de l'appareil. Et ce chargeur donc sera de couleur noire. Alors, ce qui est appréciable, c'est l'USB type C, ça se connecte instantanément.
Le chargeur mural sera lui aussi de couleur noire et la connectique sera sur le dessus. Lorsqu'on aura connecté le chargeur induction, on aura un liseré vert. Ça fait super high-tech. Je mettrai donc tous les liens en description puisque ce chargeur vous le trouvez pour moins de 40 euros. Alors on peut, si on le désire, charger les smartphones à plat. Chargé à 100%, chargé à 100%. Mercredi 23 mars. Et comme vous avez pu voir, le liseré devient bleu. Ça fait vraiment un effet super high-tech. C'est vraiment super classe. 13h21, chargé à 100%. Mercredi 23 mars. Chargé à 100%. Et on pourra, si on le désire, charger l'appareil sans problème. Chargé à 100%, chargé à 100%. Version oblique. Mercredi 23 mars. Chargé à 100%, chargé à 100%. On pourra, si on le désire, donc positionner notre Apple Watch sur le dessus, sur le support prévu à l'arrière, pour que celle-ci se mette à charger. Et si vous avez des AirPods, si vous avez un boîtier compatible à la charge à induction, et juste sur la base à l'arrière du téléphone, lorsque celui-ci est en charge, vous allez pouvoir recharger, les poser juste derrière le téléphone, pour que les AirPods puissent se mettre à charger eux aussi. Voilà ce qui va se passer quand vous allez poser votre smartphone Samsung sur cette... Chargement en cours, commencé. Niveau de la batterie, 23%. Alors attention, petit bémol, puisque je suis en possession d'une Galaxy Watch 4, et bizarrement, lorsqu'on la pose, elle ne charge pas. Par contre, si vous êtes un heureux possesseur d'une Apple Watch, instantanément, regardez ce qui se passe. Celle-ci se met à charger. Ce qui peut être appréciable aussi, c'est que si vous vous servez de cette station de charge la nuit, vous pouvez avoir envie de éteindre les lumières. On a ici un petit bouton tactile en haut à droite de la station. Si on appuie dessus, on allumera ou on éteindra notre station. Voilà donc pour ce chargeur 3 en 1, un chargeur donc à induction. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech et à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous!